La liberté. Liberté. Ce mot fait rêver les humains depuis la nuit des temps. Liberté d'être, d'agir, de penser, d'expression. Laissa croire à l'homme qu'il pourrait être plus heureux s'il la vivait. Partout dans le monde, le peuple se soulève pour revendiquer la liberté à tout prix, sans se soucier des autres. Peu importe que sa propre liberté soit au détriment des autres, l'humain se veut un individu libre de toute contrainte, de tout engagement, de toute morale, libre de tout. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Être libre de tout. C'est être seul. Voilà le résultat de la liberté. C'est le prix à payer. Être seul. Tant de combats, tant de revendications, tant de violences. Pour être seul, quel gâchis. Plus l'individu se bat pour une liberté éphémère, plus il s'enchaîne à l'illusion de la liberté, et plus il est prisonnier de lui-même, de son ego, de ses croyances, de ses fantasmes. En se battant pour ce genre de liberté, il se construit sa propre prison. Et on est ignorant. La revendication de la liberté demande une certaine éducation, une prise en compte des autres, du respect. La véritable liberté est en fait la liberté spirituelle. La liberté qui libère l'individu de lui-même, de ses croyances, de ses dogmes, de ses désirs égoïstes, de son autosuffisance. Il est tout à fait possible de vivre la liberté spirituelle aujourd'hui, la liberté du respect des autres, de la vie. C'est la même qui permet le rapprochement des gens, le partage de ses opinions, le respect de la différence, la tolérance. Cette liberté-là rime avec humilité, avec simplicité, avec vérité, avec générosité. Voici quelques quatrains de Rumi pour nous en parler. Ton accueil ne se limite pas à 2 ou 3 jours. Ta table est remplie de tout ce qui existe. Si quelqu'un n'est pas satisfait, il est libre, il est libre. Autour de la chandelle, le phalène tourne toujours. Quand je prends le pipeau, c'est pour toi que je joue. Quand je marche, c'est dans ton quartier que je passe. De toi, j'ai reçu tant de libéralité, tant de grâce dans les deux mondes. Comment pourrais-je te retirer mon cœur? Sans toi, si je cultive des fleurs, elles seront des épines. Si je prends un œuf de pan, il en sortira un serpent.
Si je touche Rebab, ses cordes seront brisées. Si je joue la mélodie du paradis, elle ne sera plus rien.